Bonjour à tous. Merci de vous connecter aussi nombreux. On va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. En attendant, je vais faire quelques tests techniques. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous avez la partie chat pour bien confirmer que le son est de bonne qualité. Parfait. Vous nous entendez bien, donc on va démarrer. Merci à tous de vous être connectés aussi nombreux. Bienvenue à ce webinaire. Nous sommes donc ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet sur lequel ICPF investit depuis des années, en ce qui concerne donc la digitalisation, en particulier comment la digitalisation peut faciliter votre démarche Qualiopi. Et de manière générale, la démarche qualité. Ce webinaire est co-animé par ICPF et SoWeSign, qui va notamment parler de la partie dématérialisation des documents de formation. Donc, je suis en présence, je vais co-animer ce webinaire avec Jean-Luc et Denis. Jean-Luc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Jean-Luc Corinthe, j'occupe la fonction de directeur technique à ICPF depuis octobre 2019 et je suis ravi d'être là avec vous pour vous présenter les retours d'expérience des près de 200 audits que nous avons déjà effectués. Je donne la parole à Denis. Merci beaucoup Jean-Luc. Bonjour, moi je suis Denis Chira, je suis le fondateur de la société SoWeSign et j'aurai le plaisir de vous parler plus longuement de nos outils et de vous montrer tout ça dans la vraie vie d'ici quelques minutes. Et moi-même, Kainé Nermouzougan, responsable communication marketing et projet de ICPF. Je suis ravie de vous retrouver également pour ce moment d'échange et pour vous présenter en l'occurrence ICPF. Avant de démarrer, quelques rappels au niveau des règles pour un bon déroulement. Pensez à éteindre votre téléphone, mettre sur mute avec la fonction décrite en dessous. Ne pas parler au cas où le micro se déclenche. Et enfin, vous avez la fonction chat qui vous permet donc de poser des questions que vous avez utilisées pour confirmer la bonne qualité de son. Pour des questions de timing et de règles liées à notre accréditation, nous nous efforcerons de répondre aux questions de manière générale. Et pour toute question vraiment particulière à votre situation, notre équipe reste à votre service. Au niveau du déroulement donc du webinaire, ce sera en quatre temps. Un premier temps où je vais vous présenter donc ICPF et notre activité en quelques mots. Ensuite, Denis vous présentera SoWeSign. En troisième temps, Jean-Luc donc interviendra sur la partie indicateur en rappelant le référentiel et en faisant un focus sur les indicateurs liés à la démonstration de la mise en œuvre et tout ce qui est gestion documentaire et margement. Et en quatrième temps, Denis vous présentera donc la solution SoWeSign. En ce qui concerne donc ICPF, pour vous présenter rapidement, quelques chiffres clés. ICPF, donc, depuis 1995, depuis 25 ans, contribue à la croissance des organisations. Nous valorisons la qualité des consultants, formateurs, entrepreneurs et depuis plusieurs, du coup, depuis quelques années, les OPAC. Donc, on est présent partout en France, y compris les DROMCOM. Et nous créons de la valeur avec 18 collaborateurs. Et à ce jour, donc, on a plus de 1350 certifiés CNEFOP ou sur notre offre pro. Et en ce qui concerne Qualiopi, plus de 450 OPAC qui sont engagés, avec à ce jour 183 qui sont certifiés Qualiopi, donc bientôt 200. Nous créons également de la valeur avec Noé, notre plateforme digitale, dont je vais vous parler juste après. Donc, ICPF se veut être votre partenaire qualité. Donc, pourquoi obtenir Qualiopi avec ICPF? Une première raison qui se situe sur la qualité de notre service et notre réactivité.
dans le sens où quand vous faites une demande, par exemple sur notre plateforme, en moins de 24 heures, vous obtenez un devis, une proposition adaptée et un conseiller à votre disposition pour vous orienter vers la solution la plus, en tout cas l'offre la plus adaptée. Nous avons également, comme je le précisais, un outil Noé qui est dédié pour gérer toute votre démarche de certification. Et pour certains d'entre vous, en effet, vous avez dû entendre au niveau des confrères qu'ils ont également une plateforme pour intégrer des documents. Ce qu'il faut savoir sur notre plateforme, à la différence, c'est que ça fait déjà donc plus de 3 ans que nous développons cette plateforme pour d'autres démarches de certification. Et pour Calliope, elle vous permet vraiment, avec un compte dédié, de gérer votre démarche depuis la demande jusqu'à la délivrance et le renouvellement du certificat. Donc, et également le traitement des non-conformités. Donc, c'est vraiment un véritable outil qui vous suit pas à pas tout au long de votre parcours de certification. Troisième point, c'est les auditeurs qui sont à proximité dans les régions pour limiter vos coûts de déplacement et des auditeurs de qualité, donc qui interviennent dans toute la France. Et enfin, une fois certifié, vous avez accès à des événements, des webinaires comme celui d'aujourd'hui qu'on organise avec des partenaires ou des certifiés auxquels on donne la parole pour vous présenter des solutions vous permettant d'avancer dans votre démarche et également des actions de communication pour développer votre visibilité. Donc, en ce qui concerne en effet ces solutions, je vais laisser la parole à Denis. Allez, vous dire quelques mots sur qui nous sommes. Donc, on est une entreprise bien entendu française, très importante dans le contexte justement du tiers de confiance. On est basé à Nantes. Aujourd'hui, ça représente 25 personnes pour 250 clients en production. La croissance, on va dire, de nos comptes ont été très rapides. Alors, à l'écran, je vous ai mis des noms parlants, des noms voilà, que tout le monde connaît, Pôle emploi, le CNAM ou Michelin, mais évidemment, la solution ne s'adresse pas qu'à ces grands comptes. La solution aujourd'hui démarre avec une offre solo à 50 euros, tout inclus par mois, donc elle est vraiment accessible et elle va vous mettre à disposition tout un ensemble d'outils. Un outil que je vais commenter sur le slide à venir, qui concerne effectivement les attestations de présence, qui concerne la partie émargement numérique, qui concerne également la partie signature des PDF en ligne. Si tu peux avancer la slide, s'il te plaît. Et donc, on a à l'intérieur de ces outils, non seulement de quoi générer du document PDF, mais également de le conserver. On verra tout à l'heure qu'il est très important de conserver sur la longue durée, quelques années, les documents permettant en cas de contrôle de pouvoir prouver la réalité, la véracité et surtout le datage des documents qui peuvent être contrôlés évidemment par votre auditeur Calliope, premier niveau, mais aussi par les OPCO. Si vous travaillez pour Pôle emploi ou les régions, vous avez le même type de contrôle susceptible. Et puis, il y a même parfois l'aide directe qui peut intervenir sur des dossiers un peu sensibles en termes de formation. Donc, le but, c'est que vous soyez vraiment équipé et paré pour répondre quelques années après à tous ces contrôles. Je reste la main. Donc, je vais prendre la main pour vous parler du référentiel et du retour d'expérience que nous pouvons vous faire aujourd'hui sur les audits Calliope. Un rappel pour commencer, donc, le référentiel national qualité est composé de 7 critères, 7 chapitres, dans lesquels nous retrouvons 32 indicateurs. Parmi ces 32 indicateurs, il y a 22 indicateurs communs qui concernent toutes les catégories d'actions et 10 indicateurs qui concernent des catégories d'actions particulières, comme l'action de formation, l'apprentissage. Concernant ces 32 indicateurs auditables, ils sont répartis, donc comme vous pouvez le voir, parmi les chapitres. Et parmi ces indicateurs, à la slide suivante, nous allons voir qu'il y a des indicateurs qui concernent la certification professionnelle, l'alternance ou la FEST. Il y a en tout 5 indicateurs. Et c'est sur ces 5 indicateurs que la plupart des audits concluent sur une non-applicabilité, puisque la plupart de nos clients, comme vous, ne font pas de certification professionnelle, ne connaissent pas la FEST, ne l'ont jamais mis en œuvre et ne font pas d'alternance. Donc, ça fait déjà 5 indicateurs de moins à auditer pour vous. Ensuite, nous allons nous rendre compte qu'il y a d'autres indicateurs qui ne sont pas applicables la plupart du temps. Ce sont les indicateurs liés à l'apprentissage. Donc, il y en a 4, ce qui fait au total 9 indicateurs du coup, qui sont très rarement audités et qui ne vous concernent pas pour la plupart. À la slide suivante, il s'agit de vous mettre en perspective que
Pour certains d'entre vous qui êtes certifiés sur un référentiel listé par le CNEFA, vous allez bénéficier d'un audit aménagé. Et quand vous bénéficiez d'un audit aménagé, vous allez être audité finalement au maximum sur 15 indicateurs. Et parmi ces 15 indicateurs, on retrouve des indicateurs liés à la certification professionnelle d'alternance, la FEST. Et donc, cela vous permet de n'être audité finalement que sur une dizaine d'indicateurs quand vous êtes dans cette situation. Vais maintenant vous faire un focus sur les indicateurs qui posent des difficultés aux OPAC par la démonstration de la mise en œuvre de la conformité. Donc, nous allons pouvoir voir ici un panorama des indicateurs en orange. Il y en a 11 qui posent de réelles difficultés parce qu'ils exigent effectivement la mise en place de dispositifs, de procédures, mais qui exigent également la démonstration de la mise en œuvre de ces dispositifs. Et c'est souvent un point d'amélioration chez nos clients. Sur l'indicateur 1, le référentiel exige que des indicateurs, des items de communication soient bien communiqués. L'indicateur 4, il s'agit de démontrer que vous personnalisez vos formations avec des objectifs pédagogiques adaptés. L'indicateur 8, là, on est sur l'évaluation du positionnement à l'entrée de la formation, l'évaluation des acquis. On peut prendre par exemple aussi l'indicateur 11 qui vous demande d'évaluer les acquis, d'évaluer l'atteinte par les stagiaires des objectifs pédagogiques. Donc, je vais faire un focus maintenant sur l'indicateur numéro 1, qui est le plus représentatif parmi les écarts que nous constatons, et notamment pour les organismes qui réalisent des formations en intra. Donc, pour les organismes qui réalisent des formations en intra, vous avez la même exigence que ceux qui font des formations en inter-entreprise. La démonstration dans ces cas-là repose sur les contrats, les propositions commerciales qui sont envoyées aux commanditaires. Malheureusement, les OPAC rencontrent des difficultés parce que ces propositions, ces contrats, elles n'ont pas de preuve qu'ils sont bien transmis puisqu'ils ne sont pas signés lorsque l'auditeur est là, ce qui pose donc une non-conformité généralement majeure. L'indicateur suivant, c'est plusieurs indicateurs d'ailleurs, c'est l'indicateur 8, 11 et 30 qui ont la même structure, hein. L'exigence de mettre en place un dispositif d'évaluation et l'exigence de démontrer que ce dispositif est bien mis en œuvre. Et donc, j'ai surligné pour vous dans le guide la notion de mise en œuvre qui est bien présente et qui est souvent oubliée. Et nous avons, pour être clair, des trames, des questionnaires souvent qui sont très bien faits, mais impossible pour l'OPAC de démontrer qu'ils sont bien renseignés, utilisés, et ça constitue une non-conformité. Pour la suite, c'est l'indicateur 27 que j'ai voulu vous mettre en perspective dans ce référentiel qui concerne donc des audits complets, hein, pas des audits aménagés. Et là, le référentiel exige que l'OPAC maîtrise sa sous-traitance et la chaîne de la qualité, et donc veille au respect par le sous-traitant de toutes les exigences qu'il a sous-traitées. Du coup, là également, le dispositif est souvent disponible, le contrat, mais malheureusement, il n'est pas toujours signé et les démonstrations de la surveillance des indicateurs est également défaillant, ce qui constitue une non-conformité. Je vous rappelle que nous vous proposons un dossier Noé, c'est un service qu'on vous propose pour préparer votre audit, pour préparer votre démonstration de votre conformité aux indicateurs. Cela vous permet de structurer votre démarche qualité, de charger à l'avance des procédures, des modes opératoires et les éléments de preuve de mise en œuvre, ce qui constitue un élément de sécurisation de votre audit pour vous, de confort. Deux derniers points, un corollaire par rapport à notre accréditation. L'ICPF ne vous propose pas de trame ni de modèle de document, et l'auditeur peut échantillonner des dossiers qui ne seraient pas préparés à l'avance par vos soins. Tout cela constitue deux difficultés sur lesquelles notre partenaire a des solutions, donc je lui donne la parole. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette transition. Nous, on va essayer de vous fournir effectivement les outils vous permettant de conserver, stocker, générer, signer l'ensemble de ces documents, hein, à commencer par la partie d'émargement.
Vous pratiquez tous les feuilles d'émargement papier ou les avez pratiquées, on va dire, avant la distanciation Covid? C'était la norme, c'était la règle. Il faut à un moment donné, pour justifier de la présence d'un stagiaire lors d'une formation, à lui faire signer une feuille d'émargement. Ça reste encore vraiment d'actualité et les OPCO, les régions Pôle emploi, vous demanderont ces justificatifs, quoi qu'il arrive, pour le financement. Nous, côté SOISign, ce qu'on vous propose, c'est des outils pour digitaliser ce papier. Alors, juste pour un rappel, on n'est pas un système de gestion de la formation, on n'est pas un outil de facturation, on n'est pas un outil de planification compliquée. Ça, c'est vraiment des outils dédiés, c'est nos partenaires éditeurs logiciels. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est des outils de la dématérialisation. Comment se passer de l'intégralité du papier avec des volumes, effectivement, vous avez à l'écran des millions de signatures déjà collectées en l'espace de 4 ans, mais surtout une capacité à gérer de manière très souple cette capture d'éléments de preuve nécessaires, entre autres, aux indicateurs Calliope. Donc, on va vous générer des attestations de présence, on va vous générer des certificats de réalisation, c'est la terminologie 2020 posée par les OPCO et le ministère, et des attestations d'assiduité lorsqu'il s'agit simplement de fournir à une entreprise un récapitulatif d'horaire avec la preuve que ses salariés ont bien assisté à la formation qu'on a vendue. Tout ça, bien entendu, stocké en GED. Plutôt que vous monter des copies d'écran, je vais vous montrer juste après, en direct, comment ça fonctionne à l'écran. Deuxième slide, on va passer effectivement sur la partie des documents et en particulier les documents sensibles que vous devez collecter. On a parlé à l'instant des contrats, des conventions, des documents préalables, des contenus de formation. En fait, on ne vous demande pas simplement de les écrire, ni même de les écrire et de les envoyer par mail. On vous demande de prouver que le destinataire a bien reçu le document et l'a bien approuvé. La façon la plus basique pour cela, c'est de recueillir une signature dans un système automatique. Aujourd'hui, vous avez sûrement fait du Word, Save as PDF, mis dans une pièce jointe d'email, envoyé au client, relancé 3 fois le client qui n'a pas que ça à faire pour qu'il le sorte, qu'il l'imprime sur le photocopieur, qu'il le signe à la main, qu'il le rescanne sur le photocopieur, qu'il mette la pièce jointe qui pèse 20 mégas et qu'il vous la renvoie. Imaginez quand même que quand il y a 10 documents ou 20 par mois, ça peut être assez catastrophique. Nous, on vous propose une solution alternative beaucoup plus souple. Vous générez toujours votre Word. Vous générez votre PDF à la sortie, vous allez le déposer sur notre plateforme. Je vous le démontrerai en ligne tout à l'heure. À ce moment-là, c'est fini. On s'occupe de tout pour vous. On va envoyer à votre destinataire le document à signer. Il va le signer en ligne sur son smartphone, sans avoir besoin d'une photocopie à côté, ou son PC ou son MacBook. Il va pouvoir renvoyer cet élément de preuve, qui est une valeur probante vis-à-vis d'un auditeur externe, et vous aurez ce document PDF signé par votre client ou par votre stagiaire, directement stocké dans le répertoire de gestion électronique des documents, donc conservé automatiquement, sans aucune autre manip. En plus, on s'occupe de le relancer 2, 3, 4 fois si jamais il ne signe pas dans les délais, et on vous avertit si le délai est expiré, que finalement il n'a pas voulu signer, il va bien falloir à un moment donné prendre son téléphone, l'appeler quand même, mais en tout cas, on vous simplifie beaucoup la vie sur le suivi de ces documents. Sur le slide suivant, on va vous parler de la partie gestion électronique des documents, puisque l'objectif, c'est également de conserver ces documents. Donc, conserver des documents liés à l'administratif, conserver des documents liés à une session de formation, une session intra, vous allez dans l'entreprise, vous allez former un certain nombre d'individus, voire une session individuelle, si vous avez un apprenant en face-to-face que vous allez gérer, sur les cours de langue par exemple, ben vous allez pouvoir constituer des dossiers qui vont se remplir de manière automatique par les contrats à faire signer, les pièces déposées en GED et les émargements numériques, évidemment liés à la démonstration de preuves. Pour ce qui est des délais, c'est effectivement très variable. Ça va de 1 an pour l'éditeur Calliope qui va venir regarder ce que vous avez mis dans Neo, mais surtout à côté. 3 ans pour les certificats de réalisation. C'est en tout cas ce qu'a écrit le gouvernement sur son dernier certificat qui vient de sortir il y a quelques mois. Et certains OPCO vous disent 6 ans. Ils vont un peu plus loin que l'exigence minimaliste du gouvernement. Donc, ça va jusqu'à 6 ans pour certains OPCO et les régions pour l'emploi en général. Voir s'il y a de la TVA sur une facture, ça pourrait être potentiellement discutable en preuve de facture au bout de 10 ans. On est plutôt sur une vraie conservation à 6 ans. L'important, c'est que ce document, il soit bien archivé à la bonne date, c'est-à-dire durant la période de formation, et qu'au moment où vous le produisiez, vous puissiez démontrer qu'il est intègre, c'est-à-dire qu'il n'a pas été modifié depuis. C'est la signature PDF que nous apposons en termes de tiers de confiance, et qu'il est daté du moment du dépôt, ce qui garantit là encore qu'on n'est pas allé rajouter en urgence dans un dossier sur disque la pièce qui manque lorsque le contrôleur arrive. C'est extrêmement rassurant dans ces conditions de contrôle. Donc, c'est tous ces outils que je me propose de vous présenter. Mais juste avant, un tout petit rappel sur l'usage Calliope, voir si vous avez bien écouté. Et encore avant, quelques mots, je vais aller très vite sur Covid. Vous savez que la dématérialisation est arrivée à grands pas en France par obligation. Alors, grâce, à cause, on peut discuter de la condition. Toujours est-il que la téléformation est devenue une habitude aujourd'hui habituelle. Donc, évidemment,
SoWeSign va être compatible avec tous ces outils, et en particulier collecter les signatures avant de rentrer en téléformation. La notion d'évaluation, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment important, d'appréciation, d'évaluation des candidats. Ça a également géré, puisqu'on introduit un outil, on pilote un outil en fait de gestion d'enquête et de satisfaction, qui s'appelle Lime Survey, ou tout simplement Google Forms. Et puis la dématérialisation globale, c'est-à-dire le zéro papier, ou du moins le papier utile, mais dans la pratique, un dossier, ça doit être conservé à long terme. Donc tout devra être numérisé pour être accessible depuis le portail. Et enfin, un petit rappel dont je vous parlais il y a 2 secondes. Effectivement, ça sert à quoi dans le contexte Calliope? C'est quand même important de voir dans le contexte du séminaire à quoi ça sert. Eh bien, vous allez avoir des indicateurs directement liés à ça. L'indicateur 1, Jean-Luc vous en a parlé, c'est globalement qu'il vous faut des contrats signés de la part de vos clients, pas juste un email envoyé. Donc là, le processus PDF en ligne y répond parfaitement. Les indicateurs 8, 11 et 30, c'est les indicateurs sur lesquels on vous demande de conserver toutes les pièces associées à la formation. L'évaluation des acquis, que ce soit à l'entrée, les outils de mise en œuvre, ce qui a été fourni effectivement durant la formation. Là, on parle du dossier formation, du dossier session. Et puis un petit focus sur l'indicateur 27, si vous avez de la sous-traitance, là encore, à chaque fois que vous déléguez la formation à un tiers qui la réalise pour vous, vous devez collecter de la part de ce tiers les mêmes pièces, les évaluations, les acquis, les pièces fournies, et les enregistrer pour que vous soyez vous en capacité de les fournir en cas de contrôle, et non pas le prestataire qui a servi pour vous le jour où il a réalisé la formation. Je précise également en bas que la partie émargement, c'est pas écrit noir sur blanc, c'est pas une exigence Calliope, par contre c'est une exigence des financeurs. Donc vous allez de toute façon la retrouver chez l'OPCO, Pôle emploi, les différents acteurs des régions qui vont vous les demander, même si c'est pas écrit noir sur blanc dans Calliope, ça fait quand même partie évidemment des choses dont on a besoin. Donc trêve de blabla, il me reste 5-6 minutes. Ce que je veux surtout, c'est vous montrer à l'écran comment tout ça fonctionne. Ça sera tellement plus parlant que de vous faire une grande démo. Donc, si je peux avoir la main, je vais me faire un plaisir de vous montrer ça à l'écran, afficher mon écran. Et on va se retrouver sur l'écran. Peux-tu juste me confirmer qu'on a bien le Google à l'écran? Oui, on l'a, c'est bon, tout va bien. Donc, on va aller dans l'ordre, regarder les différents outils. Ce que je vous propose en premier, c'est de commencer par la plateforme qu'on appelle la plateforme d'administration. Donc, on va se connecter sur la plateforme d'administration. Alors, comme l'outil est vraiment pratique, une fois que vous êtes connecté, on vous demande même plus une connexion, c'est-à-dire qu'on arrive normalement ici, on rentre son code identifiant. Donc ça, c'est un code administratif qui va permettre d'accéder à notre plateforme. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir découvrir un menu qui contient l'objectif final, c'est de remplir le document des doc la, pardon, remplir le dossier de GED. Donc, on aura des dossiers de stockage de documents associés aux apprenants, stagiaires, d'autres pour les formateurs, pensez par exemple à vos sous-traitants, d'autres pour les sessions, pensez aux formations de plusieurs demi-journées qu'on va effectivement grouper, une formation en intra dedans, et d'autres documents administratifs dans la partie onglet général. Vous allez donc pouvoir soit juste importer les documents, mais on va aller un cran au-delà et on va les créer directement. Donc, on a deux fonctionnalités majeures, l'émargement et la signature des PDF en ligne. Ça va se présenter sous forme d'un menu. On va prendre un cas concret, on va faire signer en ligne, là en direct, quelques participants. Et pour ça, j'ai créé au préalable une séance. Une séance, en fait, ça correspond à un ensemble d'éléments. Elle s'appelle Webinar Calliope dans la salle de réunion. C'est donc le nom de la séance que j'ai créée. C'est juste un libellé, une date, une heure de début, une heure de fin. Et un certain nombre de paramètres comme la durée de la séance, 90 minutes calculées entre l'heure de début et l'heure de fin de manière automatique. On a associé à cette séance 2 formateurs, un groupe de travail, c'est un ensemble de 27 apprenants, et un apprenant tout seul qui vient se rajouter en candidat libre par rapport au groupe qui était prévu initialement. Et ces éléments-là vont constituer ce qu'on appelle le référentiel de formation. Donc vous pouvez les importer à coup d'Excel, vous pouvez les copier-coller, on peut les rentrer à la main, on peut synchroniser avec des outils externes qui génèrent le planif de manière automatique. Voilà. Une fois qu'on en est là, on a tout fait. Donc ça, je l'ai fait en 2 minutes avant le séminaire. Et on va passer à la phase de signature. Donc la phase de signature, c'est l'autre application. Et l'outil de signature existe sur smartphone, que ce soit un téléphone Apple ou un téléphone Android, sur tablette, mais peut aussi se lancer. Là, je suis sur un Mac, sur un MacBook, sur un MacBook, sur un PC, sur une tablette Surface. Vous allez pouvoir utiliser les outils d'émargement. Je me suis connecté. Une fois de plus, moi étant formateur sur mon poste, il ne m'a pas demandé de m'identifier puisqu'il a mémorisé dans un cookie que je m'appelais Denis Chira. Donc ça, c'est quand même super pratique de ne pas avoir à rentrer à chaque fois de ses codes identifiants. Et je vais pouvoir descendre mon planning. Alors j'ai un cours le matin, l'après-midi que je dois assumer tous les jours, jusqu'au cours d'aujourd'hui qui est mis en avant. C'est effectivement, j'ai 2 cours actuellement actifs, un de 14 à 18 et un de 14 à 16. Celui qui m'intéresse, c'est le suivant.
Je sais que j'ai déjà un présent. Ah, il y a quelqu'un qui a déjà signé et que j'ai 28 inscrits au total. Donc, quand on rentre en détail dedans, on va voir effectivement les participants, les formateurs en bleu, les participants en blanc. J'ai déjà signé tout à l'heure pour faire un test. Donc, ma jolie signature avec deux croix ici, qui n'est pas conforme évidemment à l'exigence qualité, je vais pouvoir la corriger en recliquant dessus et en disant je dessine. Alors, à la souris, ce n'est pas forcément magnifique, mais ce qui compte, ce n'est pas le dessin, c'est l'acte de signature, puisque pour en arriver là, vous, formateur, avez ouvert cet environnement, avez cliqué sur ScanPoint Denis et lui avez demandé physiquement de signer. C'est comme la feuille papier. C'est vraiment l'acte de signature et vous voyez qu'on retrouve une signature beaucoup plus cohérente et qui ressemble à ma signature de base que vous avez en tant que formateur et en tant que participant. Je ne vous passe pas tous les menus, il y a une quantité de fonctionnalités dedans. Par exemple, pour signer à distance, on peut inviter les personnes soit à scanner un code, ce qui leur permet effectivement de signer à distance. Ce code, il tourne toutes les quelques secondes pour qu'on ne mémorise pas. Soit leur fournir un code à l'oral, on peut leur donner un numéro et un lien URL et à partir de là, sans rien d'autre, ils peuvent le faire, même si on ne les a pas invités. Mais je peux également inviter quelqu'un à signer. Par exemple, pour inviter quelqu'un à signer, j'ai un menu que je peux glisser où je peux faire une demande de signature par mail. C'est ça qui a été utilisé durant le Covid de manière très fréquente. En fait, vous pouvez inviter une personne avec son email et plus globalement, vous pouvez inviter également tous les participants inscrits en un clic qui va envoyer un mail nominatif à chacun pour pouvoir signer. Alors, il se passe quoi de l'autre côté? De l'autre côté, je vais retourner sur ma messagerie. Et sur ma messagerie, je vais retrouver une demande de signature à distance. Bonjour ScanPoint Denis. Vous pouvez effectuer la signature à distance pour le séminaire Calliope du temps au temps. Clic, accéder à l'interface. On me remonte le contexte et on me dit j'ai déjà signé. OK, puisque j'avais déjà signé tout à l'heure. Est-ce que j'en ai une que je n'ai pas déjà signée? Non, je n'en ai peut-être pas. Elles sont toutes déjà signées, à mon avis. Mais je vais vous le montrer sur la signature d'un PDF. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on signe sur un PDF. Ça va revenir au même. On va pouvoir effectivement signer directement à l'écran, comme je l'ai fait dans l'application il y a 2 minutes. Une fois qu'on a ces signatures collectées, on ne se contente pas de les avoir côté écran. Je vous rappelle qu'on avait un outil de gestion. Et cet outil de gestion, si je reviens dessus, va me permettre de visualiser le suivi de chacune de mes formations. Ma formation s'appelle Webinar Calliope. J'ai un apprenant qui a signé, un compteur vert, et j'ai un formateur. Qui me suffit, on va dire, pour avoir déclenché la séance. J'en ai bien 25 qui n'ont pas signé. Je peux aller voir en détail le contenu de tous ceux qui n'ont pas encore signé. Je peux afficher évidemment ceux qui ont signé. Vous voyez, on retrouve la signature et l'heure de signature. Et je peux demander à Gatien, qui est de l'autre côté, une signature à distance, là aussi. Merci de signer en rattrapage sur un motif à oublier de signer pendant 7 jours. En fait, je viens de lui envoyer un mail qui va lui permettre de signer. On le récupérera tout à l'heure si on a le temps dans la démo. Donc ça, c'est vraiment la phase interactive. À partir de là, ce système va générer automatiquement, à la fin de la session, une attestation. Je vais vous montrer une attestation apprenant pour ScanPoint, ça va être parlant. On va aller chercher dans le dossier de l'individu. Donc là, j'ai choisi, effectivement, j'ai filtré un individu par son nom, parce que je suis sur du nominatif. Et je vais trouver à l'intérieur de sa GED un certain nombre de documents de type émargement apprenant. En voilà un qui est une attestation de mars 2018, dans laquelle ça ressemble. Alors, je ne sais pas si je peux monter un peu, si je peux monter un peu. Donc, une attestation d'assiduité, ça ressemble effectivement à cela. On a des références, on a des dates, on a le nombre d'heures suivies par l'apprenant, on a les certifications et les signatures par le tiers de confiance que nous sommes. Et on a en dessous le face-à-face entre le signataire, donc le stagiaire, et son formateur. Ce document PDF est généré automatiquement, soit à la fin de la session, mais il peut aussi être généré à la main. Si on veut faire une attestation apprenant, on peut choisir de date à date ou une attestation séance. On peut choisir effectivement les attestations qu'on veut générer. Je rappelle juste que ces documents sont rangés de manière automatique sans que vous n'ayez rien à faire puisqu'ils tournent à l'intérieur de notre système. Deuxième petit morceau de la démonstration pour aller vraiment très vite et respecter le délai, vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut signer un document PDF. Voilà un document PDF. Hop, je l'ai pris sur mon bureau, il est juste derrière. Et c'est, en l'occurrence, c'est une convention de stage. Ça pourrait être effectivement un contrat ou un autre document. Sur cette convention, vous allez retrouver ici un endroit de signature. C'est là que je vois apparaître la signature de la directrice générale. Et puis un peu plus bas, un autre endroit de signature. Là, je veux que le tuteur il signe à cet endroit-là. Et donc, on va pouvoir positionner des signatures dynamiques. On va pouvoir ensuite lister. À cet endroit-là, vous avez en fait l'URL qui me dit que Denis Chira, son adresse mail, c'est scanpoint@gmail.com. Et simplement, en prenant ce document-là et en le lançant dans le flux, je vais vous faire ça en direct,
On va se connecter ici, on va aller dans les signatures de documents. Donc là, je passe sur un document signé. On va vouloir importer un nouveau document. Hop. Donc on ouvre la fenêtre. Et pour démarrer un PDF à signer, vous le jetez dedans, vous l'ajoutez. Et le système va envoyer de manière automatique. Il va récupérer à l'intérieur du document l'adresse mail de la personne. Il va surtout vous le mettre dans une liste pour que vous ne l'oubliez pas, parce qu'il va falloir le relancer. Donc, on va retrouver dans la liste ici, typiquement, les documents qui sont en attente. J'ai une convention de stage pour le CESI sur lequel j'ai 3 signatures, dont 0 active à ce moment-là. Là, je viens de retrouver mon nouveau document. Je vais faire actualiser. Donc, ma convention de stage démo, elle est en attente d'une signature. Je n'ai qu'un individu. Et là, on va aller chercher le document me permettant de signer. Donc, on va retrouver dans notre système une demande de signature en ligne du document. Donc, voilà le message. Imogisec vous invite à signer le document. Nous vous demandons de prendre connaissance du document avant de le signer. C'est un peu comme la signature de tout à l'heure, mais celle-là, en plus, elle vous présente le document. Vous avez donc en visuel le document qu'on vient de passer. OK, c'est le même. Et à partir de là, vous allez pouvoir, enfin, votre client, ça c'est le client qui va pouvoir accepter, signer. Je vais juste faire un DS. Un petit point. Et un commentaire au besoin et valider. Ça, c'est le temps qu'a besoin le client, c'est-à-dire il a un parcours, un clic, un dessin, ça se fait en 30 secondes et surtout, il peut le faire sur son smartphone. Il n'a pas besoin d'ouvrir son PC, d'imprimer sur la photocopieuse, de revenir, de scanner, etc. Le smartphone, au tactile, ça marche parfaitement bien. Et à ce moment-là, mon état qui était actuellement, là, on voit que je n'ai pas rafraîchi l'écran, il est en état 1 en attente. Lorsque je vais actualiser, va disparaître de mes documents en attente pour arriver dans les terminés. Et vous voyez que mon workflow me dit, il a été terminé à 15 h. Et si je regarde ce document avec sa signature, vous avez maintenant à l'intérieur la signature qui est apparue. Vous avez en bas également la signature qui est apparue au bon endroit. Le tout avec une piste d'audit qui va bien. Vous pouvez récupérer le document, visualiser la piste d'audit. Là, j'ai un seul signataire avec l'heure à laquelle il a signé. Voilà. Le document est bien sûr déjà stocké en gestion électronique. Il n'y a pas besoin de le récupérer, de le remettre dans la GED. Tout ça, c'est piloté de manière automatique par la plateforme. Je suis à peu près dans les temps. J'aurais plein, plein, plein d'autres choses à vous montrer. Mais l'important, c'est que voilà, si vous avez fait cette découverte, évidemment, on pourra aller plus loin après, mais on va essayer de respecter le temps imparti. Je te rate la main. Exactement. Merci Denis pour cette présentation. Et je vais du coup revenir. Voilà, merci Denis en effet pour cette présentation. Même si la démo a été courte, ça a permis de montrer toutes les fonctionnalités possibles. Vous voyez bien, il y a entre l'intervention et le retour d'expérience de Jean-Luc en ce qui concerne les indicateurs et ce que nous attendons en termes de démonstration, de mise en œuvre et la présentation et l'intervention de Denis avec avec leur solution. Ça permet en effet de voir la complémentarité. Tant sur l'aspect signature et émargement et le fait d'apporter des preuves qui soient conformes, et nous, de notre côté, en effet, via la plateforme, le fait de charger les documents et de démontrer après à l'auditeur la conformité et surtout la mise en œuvre des actions. On va passer aux questions, donc réponses. On va. Donc, les réponses seront effectuées principalement en séance ou par retour de mail. Si on n'a pas eu le temps de tout traiter, vous pouvez nous poser vos questions également par email. La présentation sera envoyée ainsi que le replay des réceptions du questionnaire de satisfaction complété. Pour toute demande Calliope, vous avez donc deux contacts de Lucas et de Maria qui sont à votre service pour y répondre, que ce soit en termes de planification ou d'obtention de devis. Et pour toute demande concernant la solution d'émargement numérique et de dématérialisation, vous avez les contacts de Gatien Beaumont et Delphine Rambert. Merci encore Denis et merci Jean-Luc. On va donc passer aux questions-réponses. Le temps de prendre quelques questions. On va prendre 15 secondes à peu près.
J'en profite le temps de l'attente pour vous dire effectivement qu'on est à votre disposition. Hein. Vous avez le site web, vous pourrez nous contacter, il n'y a aucun problème pour nous retrouver. Sachez qu'on a déployé pendant la période Covid 120 clients de manière gratuite, puisqu'on a donné un coup de main à l'effort de guerre, on va dire, national, et que la plateforme a été mise à disposition pendant 2 mois de manière totalement gratuite et offerte. Mais ça fait partie des choses évidemment sur lesquelles on peut vous accompagner après. Merci, Denis, pour cette précision. Donc, je vais prendre une première question de Susan Bossan. Peut-on exporter via Numbers, entre parenthèses, Apple? Alors, je pense que vous parlez des documents. Donc, les documents sont effectivement accessibles par un navigateur. On peut les récupérer à tout moment. En aucun cas, on ne vous enferme dans la plateforme. Le deuxième point important, c'est que les documents générés par SolidWorks ou même archivés par SolidWorks sont autoporteurs de la date et de l'intégrité. Je traduis d'un point de vue simple. En fait, les documents sont signés en PDF par nous, ce qui garantit la date à laquelle vous avez déposé sur notre plateforme. Et même si vous les récupérez, ce même document PDF avec sa signature restera probant et horodaté, même sur votre disque dur à vous. J'espère que ça a répondu. Merci. Oui, merci pour la réponse. Une prochaine question. Comment être sûr que la signature est authentifiée? Est-ce que quelqu'un d'autre peut signer à notre place? Une question de Claudine Sada. Bien sûr. Alors, il y a deux types de signatures. Je vais répondre dans le cas de l'émargement. En fait, c'est au formateur de contrôler la véracité des signatures, puisque c'est lui qui autorise ou pas le stagiaire à signer, soit en face à face lorsqu'il est avec une tablette et qu'on est en présentiel, soit à distance, puisque c'est lui qui envoie l'email. Ça, c'est pour le cas de la signature de présence. Pour le cas de la signature PDF, on a un cas un peu différent puisque ce n'est pas vous qui allez envoyer le document à faire signer, vous allez soumettre ce document sur notre plateforme et c'est nous, tiers de confiance, qui allons router la demande de signature par mail au destinataire. Alors évidemment, si le mail c'est un toto pas de nom @jetable.org, la validité de la signature peut être remise en cause très largement par le destinataire puisqu'il n'est pas du tout identifiant fort. Par contre, si vous avez un mail qualifié, en général un mail d'entreprise, vous traitez essentiellement avec des professionnels des entreprises, dans ce cas-là, la signature est dite, on va dire, un plus plus, signature avancée. Ça veut dire que comme c'est le tiers de confiance qui a routé le mail et comme c'est nous qui ouvrons le navigateur, on est sûr que c'est le destinataire du mail. Donc effectivement, la qualité du mail va vous donner la qualité de la signature sous-jacente derrière. Merci, Il y a Denis. d'autres points? Dans la même logique, une question sur la méthode de signature est-elle validée par le FSE de Marie-France Damoret? Alors, pour ce qui concerne le fonds européen, ce que je peux vous garantir, c'est que les régions Pays de la Loire qui ont donc acquis l'outil, les régions l'ont acquis il y a 2 ans, ils ont fait toutes les demandes au niveau du FSE justement pour garantir que les signatures numériques collectées soient validées. Je vous confirme qu'on a effectivement eu l'accord quand on a fait la demande avec la région des Pays de la Loire de validation pour eux et donc également pour tout le monde. De manière générique, nos signatures sont non pas un dessin sur une tablette, c'est ce qu'on voit à l'écran. Ce qui est important dans la signature, c'est la piste d'audit associée qui montre que nous, tiers de confiance, ayons bien routé l'email ou ayons déclaré la session avec Caesar et son formateur et que l'identification de celui qui déclenche la signature, je traduis le formateur, ait bien été contrôlée. C'est ça qui, effectivement, dans la piste d'audit, valide la qualité de la signature vis-à-vis du FSE et des autres tiers de confiance. Mais on est basé en France et validé par l'Europe, je vous le confirme. En lien avec ça, toujours sur la signature avec souris est-elle acceptée? Y a-t-il possibilité d'enregistrer sa signature au préalable? Alors, la signature avec souris ou trackpad est tout à fait autorisée, de la même façon que la signature sur écran, mais dans le contexte, on va dire, d'une utilisation, que ce soit pour l'émargement ou les signatures d'un contrat, on ne vous demande pas de copier-coller une image, on vous demande de dessiner une signature. Ça signifie que l'apprenant qui vient en formation le matin, le midi, par exemple, devra bien dessiner sa signature à chaque fois et elle doit impérativement être différente. Si vous essayez de réutiliser le même dessin pour différentes formations, le risque c'est que l'OPCO y voit un copier-coller et absolument pas une démonstration de preuve que c'est bien signé à chaque fois, puisque ce qu'on vous demande c'est signé par demi-journée. Donc si techniquement on peut la mémoriser, d'un point de vue pratique, on ne le fait surtout pas.
Merci Denis. Et ça rejoint aussi certaines questions qu'on posait par rapport à la plateforme Noé également, puisque par exemple pour signer le contrat pour Calliope, vous devez également signer avec la souris. Donc c'est totalement accepté. Je vais prendre d'autres questions. Une question de Anne Géant. Peut-on plugger votre système à un logiciel de gestion de la formation? La réponse est oui. Alors, je ne connais pas votre logiciel, je ne vais pas rentrer en détail, mais sachez deux points. Le premier, c'est que le logiciel SOWISign dispose de ce qu'on appelle une API. Une API, c'est une interface de programmation ouverte qui permet à tous nos clients d'interroger le système pour récupérer les signatures ou les PDF, ou d'injecter des données dans le système, par exemple, injecter une séance des apprenants ou des formateurs. Au-delà de cet outil, qui est donc un outil, je répète, d'informaticien, on a également développé des connecteurs. Les connecteurs, en fait, ce sont des modules plus ou moins prédéfinis pour se connecter avec les outils du marché. Alors, je ne vais pas les lister de tête par cœur, mais des produits comme Ipareo, Allcoin, Agathe, Access, Hyperplanning, etc., qui sont des ERP de la formation. Sachez qu'on a déjà les intégrations prévues pour eux et qu'on est capable de se connecter facilement. Alors, vous les utilisez peut-être moins dans le contexte individuel, mais si vous avez effectivement ce genre d'outils à dispo, on se connectera dessus parce que l'objectif, c'est en aucun cas faire de la ressaisie. Et on ne veut pas faire doublon non plus, puisque la gestion administrative, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est bien dans ce genre d'outils qu'on va les utiliser. Merci Denis. Une question sur les temps de connexion, les dates de connexion. Est-ce que votre solution enregistre les dates et temps de connexion pour les formations en ligne? D'Alexandra Bourguin. Très bonne question. Alors, dans le cadre de la connexion en distanciel, puisqu'on parle d'outils comme Zoom, Webina, GoToMeeting, Teams et autres outils, l'enregistrement de la connexion, le temps d'enregistrement ne peut être réalisé que par la plateforme. Par contre, ce qu'on réalise la plupart du temps, c'est qu'on va faire passer le stagiaire par une première étape de signature à l'écran, la même chose que vous avez vu tout à l'heure quand j'ai dessiné ma signature, et ce n'est qu'après cette signature qu'il aura accès à la plateforme. Donc, on va pouvoir garantir aux financeurs que le stagiaire qui est venu en ligne a bien signé et a bien cliqué sur le lien « Je me connecte à la plateforme ». Quant à la durée d'utilisation réelle, c'est-à-dire le temps qu'il est resté connecté, ça, c'est forcément la plateforme qui le donne, avec une exception, c'est la partie Zoom, sur laquelle on a déjà validé le fait qu'il existait une interface de programmation permettant de récupérer l'info, ce qui n'est pas forcément le cas de Teams, par exemple. Donc, c'est vraiment dépendant du choix de la plateforme que vous ferez pour la téléformation. Mais dans tous les cas, le relevé de temps ou le relevé de parcours, si on parle de FOAD, le relevé du parcours de l'individu à travers son écran et ses différents quiz et questionnaires à la leçon. L'important, c'est que ce relevé de temps soit bien conservé pendant 6 ans. Autant vous dire que l'outil d'administration de gestion des séances de Google, 6 ans après, vous aurez du mal à retrouver une session pour un individu. Donc, la bonne pratique, c'est d'exporter en PDF, alors de la copie d'écran au Save As à export de la statistique, transformer les Excel s'il y en a en PDF et les stocker dans la GED associée à la session ou associée à l'apprenant. Et c'est ça qui vous permettra de prouver effectivement la durée de connexion interne. Voilà. Une question sur le formalisme. Peut-on importer tout type de documents pour les faire signer via la plateforme ou y a-t-il un formalisme, par exemple PDF, hein? Alors, il y a effectivement une restriction sur la typologie du document. Ce ne sont que des PDF. Et la raison est relativement simple, c'est que le PDF est le seul format normalisé, ou du moins standard, ce n'est pas une norme, c'est un standard, avec une garantie de conservation à long terme. On parle de 3, 6, 10 ans. Un document Word d'il y a 3 ans, pour peu qu'on n'ait pas la bonne police ou qu'on n'ait pas la bonne mise en page ou qu'il y ait macro activé, il y a des fois où ça ne s'ouvre plus. Donc, très clairement, c'est obligatoirement du PDF. Ça rentre également dans les contraintes de signature juridique, ce qu'on appelle les normes IDAS, qui sont les normes européennes de signature des documents. C'est clairement écrit PDF. Donc, ça veut dire que tous vos documents devront être d'abord convertis en PDF avant d'être injectés, que ce soit pour le stockage long terme, juste pour la conservation, ou pour la signature en ligne, c'est encore plus obligatoire. En plus, il ne doit pas être verrouillé, évidemment, pour qu'on puisse le signer et l'approuver derrière. En a d'autres? Une autre question. Pouvons-nous personnaliser la plateforme de dématérialisation d'Anaïs Marlioux?
Réponse est oui. Alors, vous pouvez dématérialiser dans certaines limites. Vous pouvez effectivement mettre vos logos dessus. C'est évident que ça soit sur l'interface de signature ou sur les documents générés, hein, émargement ou signature en ligne. Vous devez même y intégrer chez nous les éléments administratifs. Là, je parle juste de votre SIRET, vos numéros d'enregistrement, votre adresse postale qui apparaissent sur le certificat de réalisation ou sur l'attestation d'assiduité. Et après, alors pour des cas très exceptionnels, on pourrait développer des interfaces sur mesure, mais là, il faudra s'appeler Michelin et Airbus, ce qui n'est pas forcément ce qu'on va vous demander en termes de budget. Nos outils sont vraiment adaptés au plus grand nombre et fonctionnent de manière standard. Mais en tout cas, vous avez bien vos noms qui apparaissent, votre logo, en noir ou en blanc, puisque ce sont nos deux couleurs de base. Merci Denis. Une question pour Jean-Luc. Pourriez-vous nous donner des informations complémentaires sur la mise en œuvre pour les indicateurs Qualiopi? Alors, sur ce sujet, vous allez bien relire le slide et Jean-Luc va répondre. Alors, pour répondre à la question, la mise en œuvre, c'est la nouvelle philosophie de Calliope par rapport à ce qu'on faisait avant avec Datadog, par exemple, hein, pour être très précis. Datadog, vous pouviez être référencé sur la base d'une capacité 2 avec des éléments comme des trames de documents, ce genre de choses. Aujourd'hui, l'audit de certification repose sur la démonstration que qu'on va partir, quand l'auditeur va vous laisser, hein, il aura la confiance dans le fait que vous mettez en œuvre déjà et que vous êtes déjà totalement conforme à l'indicateur. Donc cette philosophie, elle prend corps dans votre capacité à démontrer que ce que vous dites faire, vous le faites et vous avez des preuves de cela. Et donc, si on rentre dans chaque indicateur, il y aura des preuves différentes, bien entendu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que devant un auditeur, de simples documents d'exemple, des trames de documents, des procédures ne suffisent pas à démontrer que vous mettez en œuvre ce que vous dites faire. Merci Jean-Luc. Une question de Alexandra Bourguignon. Y a-t-il une gestion de droits d'utilisateur? Alors, je pense qu'on parle effectivement de la partie SOISIGN. Sur cette partie-là, on a en fait, chez nous, on a trois niveaux d'individus. On a les signataires, ceux qui se contentent d'apposer leur signature sur le PDF ou sur la tablette. Et eux, la gestion de droit est relativement limitée puisqu'ils reçoivent soit dans la main une tablette pour signer, soit un email pour signer. Donc, en fait, ils sont identifiés à la demande. Ensuite, on a les formateurs. Les formateurs, ils ont effectivement des fonctionnalités supplémentaires dans l'interface de gestion. Ils ont un droit, par exemple, qui est celui d'annuler une signature ou de demander une signature 3 jours après que la formation ait eu lieu, de ce qu'on appelle un rattrapage. Donc, on a effectivement une population avec des droits spécifiques qui sont les droits de manipulation de l'outil de signature. Et enfin, on a ce qu'on appelle les gestionnaires. C'était l'écran en orange qui s'appelait encore « Je suis en cours », c'est notre ancien nom. Les gestionnaires, chez nous, c'est ceux qui ont tout pouvoir. Si effectivement vous êtes deux ou trois dans la structure, vous aurez sûrement les trois droits à la fois, parce que vous allez pouvoir piloter le tout. Mais quant à la partie gestionnaire, chez nous, ceux qui ont accès aux gestions ont accès à tous les documents et tous les dossiers. On n'a pas pour but d'interdire l'accès à l'un vis-à-vis de l'autre, dans notre système de conservation. On est réellement un outil de conservation d'archivage et de preuves, plus qu'un outil de gestion ultra fine des droits à l'individu au dossier. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Et pour compléter, toujours dans la même, par rapport à cette question, donc on peut donner accès à un sous-traitant. Et donc, on peut effectivement permettre à des sous-traitants d'intervenir pour du dépôt de fichiers, par exemple, Très y bien. compris dans nos. Parfait, ça c'est important en effet en lien avec Noé, puisque du coup ça permet en effet d'intégrer les documents après. Une autre question de Pierre-Henri Berthézen. Bonjour Pierre-Henri. SOISAN, comment vos tarifs sont-ils calculés? Alors en fait, on a trois gammes de tarifs pour faire relativement simple. Vous trouvez ça sur le site en ligne. Regardez, vous avez marqué pricing sur vos tarifs sur la première page. Mais pour faire très simple, la première offre est calculée sur un forfait à 50 euros tout inclus lorsqu'on a des formateurs indépendants, une ou deux personnes en fait qui ont besoin d'intégrer tout ce que je vous ai montré. C'est-à-dire qu'on est sur un mode
Alors, pas en signature illimitée, mais je crois qu'il y a 5 000 signatures d'office qui sont intégrées dans le tarif. Et donc, vous êtes effectivement sur un tarif à 50 euros par mois, fixe, qui vous permet effectivement de faire un budget à l'année de manière relativement simple. Les tarifs, effectivement, pour Michelin ne sont pas les mêmes. Pour des grandes écoles qui ont des dizaines de formateurs et des dizaines de gestionnaires, on monte effectivement en gamme, mais ça encore, vous le trouverez en ligne, sans détail. Après, si vous voulez une estimation, n'hésitez surtout pas à contacter Gatien Delphine. Les téléphones sont à l'écran, nos emails aussi, on pourra vous répondre en cas par cas. Merci, Denis. Une question d'Annick Tienda. Quelle différence entre SoWeSign et DocuSign? Alors, SoWeSign, ça gère spécifiquement la formation. C'est un outil qui permet d'avoir de l'archivage de dossiers. Ça permet de faire de la signature d'émargement, donc c'est vraiment collecter des émargements et générer des attestations en valeur prenante, et aussi de faire signer des PDF en ligne. Et c'est là qu'on se recroise effectivement avec DocuSign. DocuSign est un outil de signature de PDF en ligne, très certainement beaucoup plus puissant dans toutes ces fonctionnalités qui existent autour, mais dont la différence principale est le coût au document. Quand vous êtes à 1 euro chez DocuSign, on est à 10 centimes la signature chez nous. Elle est même inclue dans le forfait à 50 euros. Une question de Susan Bossan. Que faites-vous des emails que vous collectez et stockage? Alors, on peut effectivement, en termes de démonstration de preuve, je pense que ça c'est lié aux questions de Calliope, la démonstration qu'on a bien transféré un document à son client pour justifier ça, vous avez la possibilité d'archiver les PDF issus d'un email. Sur un email, que ce soit dans Outlook, dans Gmail ou autre, vous pouvez toujours faire imprimer. Imprimer en PDF et vous pouvez l'insérer dans le dossier si cette pièce est un élément justifiant effectivement, par exemple, un acquis ou un critère ou un renvoi d'évaluation par mail. Vous pouvez les conserver. Là encore, sous forme de PDF, c'est important qu'on les réouvre dans 6 ans. Merci Denis. Il y a Susan Bossan qui avait reformulé sa question par rapport à Numbers. Est-il possible d'importer des infos via Numbers dans le sens où vous avez parlé d'Excel, mais Ah, nous ok. travaillons sur Mac hein, et nous n'avons pas Excel, hein, mais Alors, oui, la Numbers. réponse est dans Numbers, vous pouvez faire, j'ai pas tilté sur Numbers, je suis désolé. Vous pouvez très bien faire un save as format XLS, puisque Numbers est compatible avec Excel. Donc, en sauvegardant le document XLS, il est compatible au format Excel et vous pourrez donc l'intégrer, même s'il est édité, rempli et complété depuis Numbers. Ce qui est vrai aussi avec Google Sheet en ligne, si jamais vous avez besoin de faire la même manip. Merci Denis. Pour l'instant, on a traité la majorité des questions. Avez-vous des questions sur les indicateurs, sur des indicateurs en particulier, sur je pense qu'en effet, sur la partie SoWeSign et dématérialisation, il y a eu tout le tour qui a été fait. De toute façon, vous pourrez sans aucun problème revenir vers nous plus tard, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein, si vous avez des questions plus précises. Bon, on est dans les temps, hein. On est là. Exactement, on est dans les temps. Alexandra Bourguignon, une question sur l'enquête de satisfaction. Est-ce que vous gérez ces éléments? Quid des évaluations? Alors, très clairement, ce n'est pas notre métier de base. Par contre, on a étudié les différents outils du marché. Donc, les plus basiques qui peuvent servir dans certains cas s'appellent Google Forms. Ça, c'est totalement gratuit. Vous pouvez facilement créer une enquête et à la fin la sauvegarder en PDF, chose importante pour la rentrée chez nous. Mais de manière un petit peu plus avancée, puisqu'on a certaines limites dans Google Forms, vous avez également un outil sur le marché qui s'appelle Lime Survey. Lime Survey, c'est un produit américain, open source, mais qui est totalement traduit en français, et dont nous allons intégrer, c'est en cours actuellement à l'heure où je vous parle, une version gratuite dans notre outil, ce qui permettra à l'ensemble de nos clients de créer ces enquêtes dans l'outil Lime Survey. Et là, on parle d'une vraie enquête avec du questionnaire, du choix multiple, du multipage, des questions conditionnelles en fonction de la réponse précédente. On peut faire des choses très sympas, et pouvoir les exécuter à travers notre interface. Soit le formateur va les déclencher en direct pendant la séance quand il est en face à face, il a un bouton pour demander l'envoi de l'enquête Lime Survey à ses participants, soit lorsqu'il s'agit de questionnaires non plus d'évaluation mais
à froid plutôt d'enquête de satisfaction, à ce moment-là, il va pouvoir les envoyer 3 jours après ou le soir même pour avoir un retour par mail cette fois-ci lorsqu'il n'est plus en face à face avec ses participants. Donc, je vous invite à regarder le produit LIME, LIME Survey, Survey. Voilà, ce produit est en ligne, il est gratuit, vous pouvez l'installer chez vous, il faut un serveur, mais nous, on va l'intégrer d'office dans notre plateforme. Merci Denis. Une question pour Jean-Luc. Concernant la plateforme Noé, quelles sont les conditions pour l'utiliser? Alors, les conditions pour l'utiliser, c'est d'abord de souscrire à son utilisation. Donc, vous pouvez pour cela contacter Lucas Dumont ou Maria Mebarka. Ensuite, vous pourrez accéder à un espace en ligne qui vous permettra de préparer votre audit en renseignant les démonstrations en suivant le triptyque, en suivant la méthode PDCA, donc préparation, réalisation, amélioration. Vérification, amélioration. Les conditions, je dirais qu'il n'y a pas de conditions particulières, si ce n'est de prévoir, comme je vous l'ai expliqué, que lors de l'audit, votre auditeur pourra vous demander des preuves qui ne sont pas forcément prévues par vos soins dans votre préparation. Et donc, il faudra également avoir l'ensemble des preuves en dehors de Noé, comme un audit classique. Merci Jean-Luc. Et en effet, comme Jean-Luc l'a précisé, pour utiliser la plateforme, on a toujours en effet mis à disposition, que ce soit pour CNEFOP depuis 4 ans que c'est en place, ou encore pour Calliope aujourd'hui, vous pour y accéder, vous vous connectez. Il suffit donc de créer un compte si vous n'avez pas de compte. Sinon, vous vous connectez avec vos identifiants si vous êtes déjà certifié chez nous. Une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à l'ensemble de la documentation, que ce soit le programme, le guide de lecture, et vous pouvez en effet à ce moment-là faire votre demande en ligne pour obtenir donc un devis. Et par la suite, vous gérez toute la démarche via la plateforme. Maintenant, sur la partie dossier, c'est une option donc, qui est proposée et à laquelle, donc, si vous la souscrivez, vous permet de structurer donc, votre démarche selon le PDCA tel que Jean-Luc l'a présenté pour démontrer la mise en œuvre de vos actions. On arrive à. Il nous reste 3 minutes, peut-être pour prendre encore une, deux questions. Si vous avez les dernières questions, on va prendre une, deux questions et puis clôturer ce webinaire, en effet, pour être dans les temps. On va peut-être prendre du coup ces 2 minutes pour si vous avez des précisions à apporter. Ah, il y a une question qui est arrivée pour Jean-Luc. Concernant l'indicateur 11, est-ce qu'il faut conserver tous les exercices réalisés par les stagiaires? Alors, ce que je peux vous dire en tant que directeur technique et en tant qu'auditeur, c'est que la démonstration vous appartient, la démonstration de la conformité. En aucun cas, l'indicateur OSE 1 impose l'utilisation formelle de questionnaires et donc des éléments de questionnaires renseignés par vos stagiaires. C'est vous qui mettez en place un système et c'est vous qui préparez la démonstration. Si vous avez choisi par hasard de démontrer votre conformité à cet indicateur par l'utilisation de questionnaires d'évaluation des acquis. Dans ce cas, l'auditeur peut vous demander effectivement de démontrer la conformité sur n'importe quel dossier qui rentre dans le périmètre d'échantillonnage et que vous ne pourrez pas décider vous-même de choisir tel ou tel dossier. En tant qu'auditeur, nous nous assurons que peu importe le dossier traité, vous le traitez de la même manière. Donc, si vous avez choisi une façon de démontrer la qualité de vos prestations, il faut qu'elle s'applique à toutes vos prestations. Merci Jean-Luc. Nous allons clôturer du coup le
webinaire. Un mot Denis et puis un mot Jean-Luc. Allez, je vais commencer juste pour vous dire que le monde de la formation a changé. On l'a vu avec cette période d'un mois et demi qu'on a tous vécu de manière plus ou moins facile. Nous, la constatation, c'est que la formation à distance est devenue un élément clé de la formation globale, chose qui était, je ne vais pas dire balbutiant, mais en tout cas nettement moins fréquent avant, et que dans ce contexte-là, la dématérialisation prend vraiment tout son sens, puisqu'on n'a même plus de contact physique pour faire signer un bout de papier, être capable de tout faire à distance, que ce soit évidemment le délivré et la formation elle-même, mais aussi toute la procédure administrative. Covid a changé les choses, et à mon avis, pour longtemps, c'est en tout cas ma vision, dans les habitudes et les mœurs des Français et des entreprises, voilà, qui ont constaté qu'on pouvait le faire à distance. Ceux qui n'auraient pas osé avant, ben, ils ont été contraints de le faire et je pense que c'est très très bien. Voilà, c'était mon mot de la fin, moi. Merci, Denis. Pour ma part, j'ai toujours à cœur et j'apprécie toujours de pouvoir discuter de ce référentiel Calliope qui, au premier abord, paraît complexe et difficile à appréhender. Finalement, quand on met son nez, notamment dans le guide de lecture, on s'aperçoit que les choses sont plutôt bien faites, hein, finalement, et que les réponses sont présentes. Donc, je vous souhaite une bonne préparation. Nous restons à votre service pour répondre à vos questions quand nous pouvons. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Merci Pareillement. beaucoup, Denis. Merci, Jean-Luc. En effet, on reste à votre service pour toute votre démarche. Vous avez les coordonnées. Vous aurez le questionnaire à la fin à compléter et à l'issue, on vous enverra donc le support et le replay. Et pour toute la partie planification, en effet, Lucas et Maria sont à votre disposition. Bonne fin de journée à vous. Merci.